Salut YouTube, on passe à la deuxième la deuxième run. Ah, maintenant ça y est, je deviens professionnel les gars. Donc on part sur un petit Azazel, hein. Azazel des familles. Hein. Qui sera le premier à débloquer son womb du coup, enfin du moins, on va essayer. Telepathy for Dummies. Donc il donne des pouvoirs psychiques. J'aime mon gant électronique. Mais surtout qui permet d'avoir mince, des larmes, dans notre cas un brimstone. Homing, je cherchais le terme, donc à tête chercheuse, en bon français. On peut tenter le boss rush, quoique il est déjà débloqué, je sais plus. Je crois qu'il y a une douille en mode il est pas encore débloqué, il me semble. Je ne sais plus. On a une bombe. C'est bon. On a emmené la troll bombe avec nous, on a failli se faire péter. On peut aller voir vite fait le shop. Il n'y a rien d'intéressant, donc on peut se barrer. Et ils sont grands les étages maintenant dans ce jeu, c'est incroyable. Comment tu fais pour The Forgotten? Parce que là, c'est beaucoup trop grand. Une bombe en plus et on va pouvoir utiliser Telepathy for Dummies qui rajoute, je ne savais pas que Telepathy rajoutait du speed rate, enfin de la largeur de tir. C'est peut-être que pour Brimstone, enfin, le Brimstone d'Azazel. C'est là où tu vois que celui d'Azazel est un Brimstone de merde, puisque normalement il est censé faire des zigzags Brimstone. Rotten Meat. On va y aller, ouais. Ça sert à rien de perdre plus de temps que ça. J'étais en train de me dire, mais il est passé où mon homing Brimstone, mais c'est normal, je ne l'ai plus. C'est Telepathy for Dummies. D'ailleurs, j'ai vu que le jeu avait des traductions techniquement, mais qui sont pas encore finies in the game directement. Et il n'y a pas français. Ça aurait été très drôle de voir certaines trades, puisque bah moi j'ai commandé le jeu de cartes et je l'ai commandé en français du coup. Donc normalement, je devrais avoir les trades d'ici pas longtemps. On voit que dalle avec Curse of the. C'est pas Blind, si. Non, Blind c'est la map. Je sais plus le nom du coup. Oh! Oh, je suis invincible, poké-moi. Ok, ça va. On peut tenter le shop si on a encore 3 pièces. Généralement, je vais pas au shop avant d'avoir au minimum 15 pièces, moi, donc... Faut une règle universelle à suivre, mais... C'est le boss, ça. Oh, ça veut dire que tout le reste est ailleurs. The Fool. On va le claquer maintenant, ça ira plus vite. Ah, je savais bien que j'avais vu quelque chose. Teaser Ops aurait été cool. Pas le catcher, hein, même s'il est très cool. Alors, Jack qui me renvoie des trucs alors que je suis en stream, mais bon, ça, nous ne lui en voudrons pas. Bon, et en plus c'est un truc où je dois aller voir sur Twitter, va te faire, Jack. Tu m'en demandes trop, là. Ah, j'ai raté mon brimstone. Oh, un cœur éternel. Le mieux serait de le prendre à la fin, mais j'ai un cœur rouge, donc c'est bon, on peut le sauvegarder. Alors, le I'm Excited, j'admettrai que je l'ai en travers de la gorge. Et on a 15, on pourrait prendre Booster Pack. On pourrait le prendre, mais on va faire la Donation Machine. Avec un peu de chance, ça nous donnera un de luck. Et surtout, ça nous a donné Blue Map, ce qui est déjà extrêmement bien. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon, bien. La Treasure Room.
Ouija Board, ça sert pas à grand chose, c'est juste les Spectral Tears, donc passer à travers les murs, etc. Mais c'est déjà le cas pour nous. Donc, nous admettrons que c'était pas terrible comme, comme item. On a perdu beaucoup de temps pour rien, ultimement. C'est terrible ça. Dingle! Ah, Dingle qui passe en Excited. Mais bon, il est mort. Est-ce qu'on tente Angel Room? Oh, je suis trop curieux. C'est moi, c'est le problème à chaque fois avec Isaac, c'est les Devil Deals sont techniquement toujours tellement supérieurs, je trouve, même encore maintenant, aux Angel Deals, que c'est compliqué. Et 700 passe en stream aussi. Ah bon, ça va. Deux grandes salles, histoire de bien se foutre la haine. Ok, ça c'est bon. Lui, il faut se méfier, il explose. Voilà. Oh bah, bon, on a très bien géré. Azazel est tellement mieux comme perso qu'Isaac, c'est terrible. Car Isaac a beau avoir son D6, hein, généralement. Isaac, moi j'ai du mal à jouer. Oh, t'es sérieux, j'étais dedans là. C'est un qui se fait péter, ça, je ne sais pas. J'ai retourné le regard en mode, c'est jamais, peut-être que, mais j'aurais pas dû. Voilà. Lil Chubby. Ah non, c'est Infestation. Oh, Infestation, c'est très bien. Bah, Lil Chubby, c'est quoi son icône, du coup, si c'est pas ça? Diante. Ok, c'est ça, Infestation. Ça marche. Donc, quand on prend des dégâts, on a quelques... familier, mouche, je crois aussi araignées qui peuvent spawn. Mais bon, ça. Un autre détail. Ok. Je m'attendais pas à ça. J'ai pas vu le truc qui m'a touché techniquement. Ah, toutes mes mouches sont en train de mourir. On a obtenu Death. Ça, c'est bien. Death. Un cœur noir. Ça, c'est ok. Ça, c'est moins ok. On ne peut pas le faire. Perdre du temps pour un coffre classique, c'est non. J'ai toujours les pires chemins à chaque fois, c'est terrible. Et j'ai toujours le... The Ace of Spades! Donc ça, ça permet d'avoir plus de cartes qui spawnent, je crois, si je me souviens bien, Ace of Spades. The Ace of Spades! C'est ok tier comme item. Enfin, comme trinket. Balls of Steel, donc la blanche. Ok, c'est noté. Il y a aussi Mega Man. C'est très bizarre que... Aïe, je me prends le dernier hit. Stay. Damage plus range up. Je ne connaissais pas cet item, mais genre du tout. Ça doit être un item de repentance. Parce que je connais pas du tout cet item. Bombs Arky, c'est ok, nous acceptons. Ok, ça c'est bon. Alors on va essayer de le tuer en dernier. Voilà. Ça a vraiment fait des dommages en plus, Stay, parce que j'ai pas l'impression d'avoir bougé. Wheel of Fortune. On va la faire péter, tant pis. J'aurais peut-être dû la rapprocher un peu plus du champignon. C'est jamais. Envy, la raison de pourquoi les speedrunners ont arrêté le jeu. Généralement, quand tu tombes, Shoop Da Whoop,
Est-ce que Shoop Dawoop est mieux? Ça fait un laser en plus, ça fait un grand laser techniquement. Allez, on va le prendre. Oh, mais s'il te plaît, Azazel. Tu étais chargé. I am firing my laser! C'est vieux hein, maintenant quand il pense le mims de Shubda. C'était un coffre piégé. Bande de salauds. M6 salauds. Ok, c'est bon. Judgment. Non. Pas aujourd'hui. On peut aller voir le shop, allez, on peut tenter. Un petit jar, ouais, y a pas grand chose. On va continuer. Store upgrade niveau 1. C'est déjà ça de prix. Ok, nous sommes à 30 sur 999. Pas mal. On a trouvé le boss, je voulais activer la map, tant pis pour moi. C'est Caves 2. Je voulais pas faire ça non plus. La précipitation. Problème parmi Society if precipitation wasn't a thing. Les cornes deep, ils sont vraiment chiants. Oh, Jesus Christ, it's corn! Oh, what a tatata! Ah bah, le v'là, Lil Chubby. Hey, Barley. Donc, Little Chubby, un familier qui, quand je vais dans une direction, enfin, je tire dans une direction, suit la direction et jusqu'à ce qu'il tombe sur un mur. Et après, revient vers moi. Mais tout ce qui est entre son chemin et... Ça fait deux fois. Entre son chemin et le... Ah, le Shoop Dawoop qui est parti dans le vent. Oh, Little Chubby qui aura fait son taf, là. Aïe. Oh, Little Chubby, mais ils t'ont boosté, mon petit. Oh, Stapler, ça, c'est très bien, ça. Enfin, des dégâts. Stapler, c'est très, très bien. Ok. Oui... Pourquoi pas? Ah, moins pourquoi pas là. Bon, ça je prends. Mais d'abord on tue les mains de maman. Et on tue ce monsieur. Ok. Bon, ça nous aurait été utile, Shoop Dawoop, pour le coup. Ah, Little Chubby a raté. Oh, enfin, il l'a touché, mais pas tué. Diantre. Si les ennemis deviennent trop forts pour Chubby. Ok. Ok. Ok, c'est bon. The Lovers. Nous sert à rien. Un double The Sun, ce serait marrant, par contre. Je crois qu'il y a un objectif en plus avec ça. Wow. Voler, c'est tellement pratique. On va poser une bombe, dans le doute. Lucky Rock. Donc on a pété les 100... C'est 100 rochers, je crois, pour le Key Rock, normalement. Death, the High Priestess. High Priestess est peut-être mieux. Oh, c'est extraction chirurgicale, ça. Enfin, Emergency Contact. Je crois qu'il y a une carte qui s'appelle... D'accord, c'est pour ça. Non, on va pas aller voir ça. On va juste prendre... vu qu'on l'a jamais prise, on va la prendre. Friend Zone, c'est une Attack Fly. Qui est au kitier, qui est pas la meilleure, mais qui est pas la pire non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis encore trompé de touche. Voilà.
chariot, je préfère Emergency Contact. On va pas nous être très utile. Bon, attendez, si on part sur le boss rush, s'il est débloqué surtout. Parce qu'on sait jamais, hein, ça se trouve, faut le débloquer le boss rush. On n'a pas un stuff extraordinaire. Faut tanker. Juste de l'argent, dommage. C'est en bas qu'il faut aller. Okay. Mobs Perfume, je crois que c'est pas mauvais, mais ça ne nous intéresse guère. Bien joué, Chubby. Ok. The Hierophant, on prend par contre. War. Ah, donc on va avoir soit Meat Boy, soit Cube of Meat. Moi je dis pas non. Alors, Book of Revelation. Et on aura Ball of Bandage. Qui ont été nerfs hein, malheureusement, mais écoutez, c'est déjà ça. Fan item en plus, le Devil Deal. Alors cet item là, je sais pas si je peux le prendre. C'est Eye of the Occult, je crois le nom de cet item. Je ne le connais pas. Il me laisse pas le prendre. Bon bah, dans le doute. Voilà. Dans le doute, faut que tu goûtes, comme on dit de par chez moi. Steps 2. Donc il nous reste 6 minutes pour aller faire maman et peut-être débloquer le boss rush s'il est débloqué de base. Oh putain, j'ai eu de la chance. Les mini-pins de mort. Y a rien qui les annonce en fait, c'est terrible. Pour ça qu'ils sont... Je comprends mieux, les gens étaient en mode mais ils sont giga vénères ces ennemis là, mais Oh, c'est quoi cette map là? Je comprends mieux le pourquoi du comment. The Emperor. Oh, saleté. Et ça c'est bon, on a pris le mauvais chemin pour changer. En fait, moi ce qui m'inquiète c'est qu'on a vraiment pas beaucoup de stuff. Hein. Je tente pas le bouton. Ah, il y avait un endroit où c'était pas possible, certainement dans la curse elle-même. Ah, deuxième main. Pas de troisième main, ok. Un article de troisième main, vous imaginez la gueule? Allez les gars, faut venir. J'ai pas de temps à perdre. Des bombes. Pas de rocher marqué. On a obtenu le Key Rock, c'est déjà ça. Les petits. Il y en a une invisible, je crois. Ouais, il y en a une invisible. Ah non, c'est qu'il y a un pin! Et je me suis fait jongler là par les ennemis, c'est terrible. Hop. Voilà. Bon, on m'a rendu un cœur bleu. C'est pardonné, mais pas excusé. Ça ne veut rien dire, hein, du coup. Poison, c'est ok. The Hierophant, c'est très bien. Charge Baby, on va le prendre. Donc là, c'est prêt. Steam qui me dit que j'ai des nouveaux items dans l'inventaire. Bah, c'est très gentil, Steam, mais heureusement que je t'ai demandé aucune notification. Et on est arrivé à maman. Ok, la mouche a fait de l'effet. Ah, ça s'est raté. GG brain fart. Bon, virus, ça fait un petit peu son taf. Ok. Alors, est-ce qu'on a débloqué? On a le boss rush de... Eh ben, écoutez, on va faire le boss rush. Est-ce qu'on a quelque chose de bien? Midas Touch, c'est très fort.
Cette bombe, c'est ok. Le finger. Midas Touch, c'est très rare de l'avoir, donc on va partir sur Midas Touch. Ah. Ok, Mega Fatty a bien pris cher. Mega Fatty est mort, ok, ça c'est très bien. Ok, le Dingle est mort. Headless est chiant. Mais sa tête a l'air d'être déjà morte, donc c'est très bien. Il reste que les fistulas. Non, la tête est encore là. Mince. Où est la tête? Elle est là, la tête. Ok. Ah merde, il reste War. Death, pardon. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Je peux pas le rattraper. Ah, ça c'est merde. Non, c'est personne au-dessus? Je croyais. Ah non, c'est Pin et Holo. Oh, c'est rare comme combo, j'ai jamais vu ces deux-là ensemble. Ah, j'ai raté Pin, c'est quand même un comble. Ah, Mask of Infamy. Ok, Mask of Infamy est mort. Enfin, le cœur de Mask of Infamy est mort. Et il est mort, c'est bon. J'avais oublié qu'il avait son tir. Lui, je pensais qu'il faisait que du contact. Ok, ça c'est bon. Ok, Forsaken, c'est bon. Lil Hunt, c'est bon. Quoi? J'ai perdu un peu trop de vie comparé à ce que je devrais. L'ange, c'est bon. Je sais pas qui était avec l'ange, mais il est mort aussi. Ah, Mega Mao. Yazi Adversary, je l'avais pas vu. Enfin, The One? Non, c'est pas Adversary, c'est celui avec les bandages, je crois. Aïe. Comment ça? Il y a un truc qui traînait qui m'a touché? Vous avez pas honte? Les Gurglings, c'est bon. Il reste que Chubb qui a raté la bombe que je lui ai posée. C'est pas gentil. Ça. Ok, ça c'est bon. Ça, je t'en veux, War, pour ça. War qui est revenu se venger. Hein. On notera. Ok. Ok, Gemini, c'est toujours pas bon, la vache. Je m'attendais pas à ce que son bébé tanque autant. Ah bah, Monstro 2 qui a été super gentil. Husk, Carrion Queen, non, pose pas ta merde. Elle a eu le temps de poser un caca. Ok, elle est morte. Et on a fini The Nail qu'on débloque du coup avec Azazake. Oh, Book of Shadows. Shoop ou Book of Shadows? Book of Shadows parce que ça permet de tirer. Bon! Et ben, première completion mark de la part de notre petit Azazel qui aura fait son boss rush. Son boss rush du coup, pardon. Et du coup, pour la première fois, on se retrouve dans The Womb. Womba! Calus, ça, alors c'est bien, ça permet de marcher sur les pics, mais vu qu'on vole, ça ne sert à rien avec Azazel. Des blastocystes qu'on n'a pas vu, je crois, pendant le boss rush. À moins qu'il soit mort tout de suite avant qu'on ait le temps de le voir, ce qui peut être arrivé. On va pas se mentir. Hop. Hop, voilà. Alors, il me semble qu'il n'est pas débloqué, mais on pourrait tenter Hush. Mais il me semble qu'il est pas en... Lui, il faut le débloquer. Le boss rush, non, c'est là de base, apparemment. C'est-à-dire qu'avant, le boss rush n'avait pas de completion mark. Je viens d'y penser. Au tout début de Rebirth.
The word. The Hanged Man, ça ne sert à rien. On avait la Secret Room, je suis pas allé voir, c'est un peu con de ma part. Voilà. Ah oui, c'est Curse of the Unknown, on ne connaît pas mes points de vie. Ça va, moi je les connais. Alors, qui sera notre premier boss de The Womb? Pas un truc chiant, s'il vous plaît. Broken Syringe, je ne sais plus ce que ça fait. Dans le doute, on ne va pas le prendre. Baba Gurdy, c'est un boss assez rare, donc on va dire que bon. Bon, écoutez à ce niveau-là. Charge Baby qui nous aurait été un petit peu utile sur le coup. Mais dis donc. Il m'a repoussé. Oh, Gross Hormone qui est très très bien. Little Baggy qu'on débloque en plus, vu qu'on a pris beaucoup de syringe. On a pris. Je crois qu'on les a. On a pris toutes les différentes de base, donc. Tant mieux. Hop, tac, ça c'est bon, si j'ai pas le chat ça va être compliqué pour moi. Alors ici pour détecter les rochers marqués, si vous avez l'œil tant mieux, moi je l'ai pas. J'ai jamais réussi à bien les trouver. Hop, bon ça ça va, la salle d'arcade qui n'a rien à nous proposer. Ah, j'ai menti. Alors l'île charge, je crois que c'est bien. C'est peut-être mieux que The Ace of Spades. On va le garder dans le. Je crois que ça permet de recharger plus vite l'item. Après, dans le sens où. Ah, je sais pas. Il y a des bas, je pense. Merde. J'ai pas fait gaffe. Regardez, c'est des Shoop Da Whoop. Moi, j'interprète vraiment comme ces ennemis-là comme étant des Shoop Da Whoop-like. Dans le doute, autant jouer la sécurité. Une mini batterie, hop. Voilà. Bon, je pouvais bomber pour me barrer, hein, mais. Bon, j'aurais dû, mais. Tant pis. Oh, il y a des pins. Oh, il y a des pins partout. Il y a des pins. Et il y a aussi une bombe. Bamba, baila baila, bamba. Oula, je l'avais jamais vu cet ennemi. Encore un ennemi certainement de repentance, hein, pour changer. Oula, qu'est-ce que c'était que ça? C'était démoniaque ça comme ennemi. C'est terrifiant comme bestiole. C'est un Fatih mais version les yeux exorbités. C'est ignoble. Ah, peut-être par là. Grande chance que ce soit par là. On va pas jouer. Hop, hop, voilà. Et on a trouvé le boss. On a trouvé maman. Bon bah on va voir si une... Oui c'est vrai que c'est Mom's Hurt. C'est pas encore It Lives. J'avais oublié ça aussi. Ah, j'ai raté. J'ai raté! Pour terminer le fight, vu qu'elle nous a rendu une pilule. On a débloqué Eden, Bigotten Baby. Et malheureusement, pas de Hush, donc ça doit se débloquer, mais par contre... on va pouvoir aller voir Satan. Et ça fera déjà un Satan sur les 10, je crois, que l'on doit faire. Donc ça, c'est très bien. J'ai oublié que cela explosait. Aïe, ma gueule. Aïe, ça va prendre. Donc cette fois-ci, c'est deux dégâts qu'on prend à chaque fois qu'on prend un dégât. Enfin,
Enfin, c'est un cœur entier plutôt, si vous préférez. Qu'est-ce que c'est que ces ennemis-là? Ah, mais même ici, ça. Il a voulu me fouetter, là. Mais même ici, ça a grave changé, d'accord. Aïe. Ouais, je vais peut-être pas pouvoir le finir, en fait. Je vais peut-être pas pouvoir finir ce temps, c'est terrible. Loki, t'as pas honte? D'habitude, c'est quand il fait des spawns d'ennemis, ça. Ou quand il se TP aussi. Ok, ça c'est bon. Il y avait un cœur, je crois. Ah non, il y avait pas de cœur. On va jouer petit sexman, hein. On va les Midas Touch. Voilà. Allez, un petit cœur, s'il vous plaît. Non. Pas de petit cœur. Oula, qu'est-ce que c'est que ça encore? Autant, Super Gluttony, je l'avais reconnu. Autant les deux trucs, je sais pas ce que c'était, ça. Mais je crois que c'était dans Afterbirth. I have a doubt, but I think it is Afterbirth. Vraiment, ça me bute, Leron Isaac. Salut, Jack. Pourquoi ça te bute, Leron Isaac? J'aurais dû faire gaffe à l'écran. Je pensais être liberté. Le perso ressemble plus à rien après tous tes atouts. Ah mais oui, mais ça, je veux dire, regarde. Bon, il a juste une gueule de pestiféré, mais ça va. On le reconnaît, le Azazel. Ah, j'avais oublié. Dommage. Bon, bah au moins, on se sera amusé avec Azazel et il aura accompli le cœur de le manteau couille. Mais oui, il a le manteau couille. On aura fait le boss rush, c'est déjà très bien. Et on aura fait Hit Leaves avec Azazel. Des bisous YouTube, et à la prochaine.